Bonjour Julie. Merci pour votre participation à notre présentation. Cela ne vous ennuie pas si vous posons quelques questions, s'il vous plaît. Ce ne sera pas trop long, j'espère. Bonjour à tous. Que ennui pas du tout de participer à grave votre entretien. Je serai ravi de répondre à grave vos QUELQUES questions. Merci. Maintenant, d'abord, qu'est-ce qui vous met en colère? Illinois Wyatters Pudy choses qui met en colère. Je suis un person plutôt comme mais donc plus de zen. Illinois en single quotoile prescrin qui me met en colère. Oui, est-ce que certaines habitudes ou traditions irlandaises que vous agacent? Asterisque. Oui. Alors je pense que l'Irlandais sont digiteurs amicaliteurs gelreux. Merci. Mais je pense qu'ils sont un peu trop familier parfois, par exemple l'adder jour qu'un dans la rue est renter de dans et n'est pas excuse. Et, est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations? Non et non. Je n'ai jamais eu l'occasion malheureusement de participer à grave en manifestation. Julie, qu'est-ce qui vous pousse à manifester? Asterisque. Si e qui me pousse à grave manifester si e serait en rapport avec l'éducation ou la sécurité sociale en France. Les Français sont célèbres pour les manifestations. Que pensez-vous de cette déclaration? Alors si est vrai que les Français sont très connus pour descendre dans la rue des quelques choses n'y plaît pas sur de lorsqu'il y a de changements dans la rue ou lorsque faire des reproches au gouvernement. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration, elle est vraie et on a au moins trois manifestations par an, par exemple l'année dernière à propos de la réforme des retraites. Je vois. À votre avis, est-ce qu'il y a plein de manifestations en Irlande? Bon, la seule manifestation dont j'ai entendu parler, c'était à grave propos de l'université en Irlande et en Angleterre, mais sinon je pense qu'il y en a grave très peu. Est-ce que vous êtes surprise qu'il n'y ait pas plus de manifestations ici? Asterisque. Non, je n'y suis pas surprise parce que single quote en France on manifeste beaucoup mais dans les autres pays les gens sont plus de pacifiques et simples. Avec votre expérience irlandaise, pensez-vous que les stéréotypes irlandais sont vrais? Alors, j'avais un idée que les stéréotypes en Irlandie avant j'ai venu, qui était-vous beaucoup? Certit la genus et il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup de vin. Que si est vrai, et ensuite, si est vrai que les gens avec des chevaux, les Irlandaises sont amicaux chaleureux, l'ambiance de pub est super. D'accord. Pensez-vous que les stéréotypes français sont vrais? Alors certains sont vrais, par exemple on mange beaucoup du pain et pâtisserie. On boit du vin tous les jours et on mange du fromage tous les jours aussi. Mais en revanche le fait comportant des bêtes ou on roule les bicyclettes ou on mange des cuisses de granules ou les escargots, que si est pas vrai? Parce qu'en Irlande nous avons le sentiment que les Français sont un peu chauvinistes peut-être, par exemple le problème avec les immigrants d'Afrique du Nord. Oui. Si est vrai que les Français sont très attachés à leur nationalité et donc ils ont du mal avec le fait qu'on identifie des personnes du calme noirs et des Français. Quel est votre point de vue sur le burqa et l'aïsme en France? Je pense que l'aïsme est une bonne chose, et donc en conséquence que si est un pays laïque on devrait pas mettre des signes d'appartement si est une religion dans de l'us public. Alors, c'est tout. Merci, c'est ça, merci.